Salut tout le monde, c'est Vianev de Rabbit's Dream. Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Mais bon, Blixo vous a tout expliqué dans la dernière vidéo qu'on a sortie, celle de Call of Duty Ghost. Donc par contre, je suis désolé, je suis un peu en remède, donc je vais essayer de ne pas renifler tel un gros porc. Donc c'est parti, nous sommes sur un jeu qui s'appelle Reaper. Reaper pour l'accent français, hein, voilà, bon voilà. Qui est gratuit sur l'Apple Store. Un jeu que je conseille vraiment, que j'ai pu tester aujourd'hui. Je l'ai téléchargé dans la soirée, là j'ai pu le tester avant de faire la vidéo quand même pour pas faire mon gros noob. Donc voilà. Par contre, c'est en anglais, donc bon. On a un peu l'habitude de nos jours d'avoir des jeux, surtout des jeux téléchargés. Légalement, bien sûr. Attention, pas illégalement, parce que, hein, on n'est pas des méchants. On a l'habitude d'avoir des jeux avec des menus en anglais, des dialogues en anglais, comme dans ce RPG. On a des dialogues, par exemple, je pense que si je vais là, il va y avoir un dialogue, je suis pas sûr. Non, bon. Bon bah tant pis, je voulais vous montrer, mais on aura l'occasion de voir des dialogues. Enfin bref. Donc nous sommes dans les montagnes. Et ça c'est la maison. Level up. Endurance. Speed. Endurance. Non. Ce que j'aime bien, c'est que au début, on a donc notre petit équipement de base. Et en fait, quand vous faites des combats, je vous montre ça tout de suite. Quand vous faites des combats, vous gagnez des sous. En tuant les ennemis, vous gagnez des sous. Et avec les sous, vous pouvez améliorer vos épées, les bottes qu'on porte pour aller plus vite. On peut faire plein de trucs. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, je ne sais pas. Franchement, je sais pas quoi prendre, mais. Allez, on va pas s'attarder sur un truc bête comme ça. Allez hop, voilà, c'est fait. Bon. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Moi, j'ai amélioré mes bottes. Donc je gagne plus 6 en rapidité. Bon voilà, vous là vous avez l'épée. Donc, où est-ce que j'étais? Je pense que j'étais ici. Non, ici. Ah, voilà. Question pour moi. Donc, voilà. Donc, franchement, pour un jeu gratuit, moi je trouve que les graphismes sont super, super bien. Donc, les touches c'est Z, Q, D et S. Donc espace, voilà, espace pour sauter, double espace pour faire deux sauts, voilà. D pour avancer, Q pour reculer, Z pour donner un coup d'épée vers le haut et S pour donner un coup d'épée vers le bas. Ouh, j'ai failli mourir. Tiens toi. Alors vous allez pas avoir l'habitude, mais dans cette vidéo, je vais pas gueuler, je vais pas dire des conneries. Il y a eu peur. Le noob du FPS. Il est moche. Il est moche. Ah. Ouh, j'en ai peur des arbres. J'en ai peur. Ah, putain, j'ai fait un bond, sa mère. C'est toi, c'est quoi là? Mais comment voulez-vous passer l'arbre? Ça me fait chier. Bah, y a... sexy. Ah, putain. Oh, il y a là. Martin, tourne la caméra, vite. Non, j'ai décidé d'être calme. Alors désolé aussi si je tremblote dans la voix parce que je pour pas réveiller tout le monde, oui, parce que en fait au lieu de faire des vidéos la journée, moi oui voilà, je fais des vidéos quand il est minuit. Je suis dans une pièce où bien sûr j'ai pas mis chauffage. Que je viens juste de l'allumer, donc il caille, mais bon, on va faire avec. Donc voilà, vous avez des petites bestioles là qui volent,
Ils sont pas très 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 difficiles à éliminer, mais c'est le tout début du jeu, donc bon. Là, il y a peut-être moyen de les avoir tous en même temps. Là. Non, il n'y a pas un truc à faire, non. Bon. Pour ceux qui jouent souvent sur ordinateur, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas du tout compliqué, mais moi qui n'ai pas trop l'habitude de jouer non plus sur ordi, il faut que je m'habitue aux touches. Pour par exemple faire des trucs, par exemple sauter, faire ça, hop voilà, enfin. Encore que je m'habitue. Hop. Allez toi. Oh, j'ai déjà perdu beaucoup de vie. Ah, toi tu. Non. Oh. Parce que les haricots donnent plus de sous en fait. Et donc voilà, moi je trouve que c'est un jeu bien sympa, que vous pouvez avoir gratuitement sur l'Apple Store, et surtout que vous pouvez l'avoir notamment sur Mac, moi j'ai téléchargé sur Mac, mais vous pouvez l'avoir aussi sur iPhone, si je me trompe pas. J'ai dit à Blixo de le télécharger. Il allait le faire là, donc il vous en dira des nouvelles aussi. Alors là je me fais attaquer, alors là il y a des indiens et tout. Ah non, on peut pas dire que c'est des indiens. Mais... Oh là là. Alors là. La lutte acharnée. En plus les trucs bleus là, en fait, on peut s'en aider pour sauter plus haut. Oh purée. On peut s'en aider pour sauter plus haut, mais ça. Ah, j'ai failli mourir. Ça nous enlève de la vie, je sais pas ce que c'est des petits machins là, des... Oh non j'ai plus que 6, oh non je vais mourir. Je pense que pour faire ce niveau, pour faire ce niveau faut que j'améliore des trucs. Ou gagner des sous, bah là j'ai gagné des sous donc bon voilà. Je vais voir si je peux acheter des trucs. Non, je peux pas. On va essayer le combat. Pour après, quand j'arrive, vous y allez, sorte d'indien, de Maya, de je sais pas trop quoi. Là. Pour vraiment avoir toute ma vie et. Et qui m'en enlève le moins possible, bien sûr. Toi, Barthe. Bon, ah non! Ah oui, c'est bon, j'ai eu. J'essaie d'avoir tous les pièces possibles, d'en rater aucune, pour vraiment pouvoir après améliorer les équipements. Sinon, je pense qu'après, ça va être très difficile d'avancer dans le jeu si on garde les équipements de base. Pardon. Donc, je crois que j'ai trouvé la technique, les gens. J'appuie toujours sur espace. Oula. J'appuie toujours sur espace. En fait, je reste en l'air, vous voyez. Je fais des petits... Triple salto de la mort qui tue. Et j'ai pas encore perdu trop de vie donc. Ah, mais en plus je peux sauter sur les abeilles. Si on peut appeler ça des abeilles, hein, je sais pas trop. Oh, alors ça c'est beau. 88, tout à l'heure j'étais largement moins. Ah, oui, mais je me disais pourquoi je suis en train de sauter là, mais on peut céder aussi donc vous voyez de ça. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, vous voyez. Hop. Bon, je vais pas m'attarder à tuer les petits. Mais quel con. Oh putain, j'ai eu peur. Ouais, mais maintenant je suis à 38. C'est pas grave. Comment mourir bêtement? Comment perdre de la vie bêtement? Mais bon. En fait, ça peut me rapporter des pièces, ces petits machins. Mais... Ça peut aussi m'enlever de la vie. Donc, non, en fait, je vais me barrer. Mais. Il est tard. Bon, en tout cas, j'ai trouvé la technique, donc c'est parti. Allez hop, on les tue. Je vais vous mettre une petite avance rapide
pour parce que sinon ça risque d'être un peu ennuyant pour vous cette partie. On se retrouve tout de suite dans le moment où nous allons rencontrer ces saletés de Maya d'Indien de je sais pas trop quoi avec les petites abeilles qui volent. A tout de suite les gens. Bon bah les gens, je suis mort. Alléluia, j'ai trouvé comment tuer mes ennemis. Alors, en fait, il faut pas s'attarder sur les petites bestioles qui volent. Il faut direct aller à notre but, c'est-à-dire tuer les Indiens. Donc là, j'ai déjà tué les deux autres. Et il me reste plus que celui-là. Et j'ai 87% de vie. Yeah. Il faut l'avoir par derrière parce que apparemment il y a un masque. Ah mais non, les autres ils ont réapparu. Eh merde. Ah, la lutte acharnée. Voilà, il y en a un déjà de mort. Oh putain, mais putain, il me poursuit, il est violent. Il est violent celui-là. Hop. Hop. Et voilà. Faut peut-être me pousser dans le trou. Non. Il n'y a que moi qui tombe dans le trou, il n'y a pas ce qui tombe dans le trou à part moi. J'ai combien là, 53? Bon, allez, c'est faisable. Et si je fais... Allez. Mais est-ce qu'il perd de la vie au moins? J'ai pas l'impression qu'il perd de la vie, moi. Ah, c'est bon. On l'a eu. Bon alors maintenant, je sais pas où il faut aller. Oh non, il faut pas quand même tuer tous les petites bestioles. Oh non. Oh. Oh non. Ouh, on va pas mourir aussi bêtement. On va pas me la faire deux fois, enfin pas deux fois, donc ça m'arrive plus encore. Enfin, bon. Qu'est-ce que c'est que ça les... Ah, on peut utiliser aussi la souris, vous voyez, pour avancer et tout. Enfin, ce qui peut être pas mal. Hop. Faudrait pas que je meure là parce que ce serait vraiment bête. Ah oui d'accord, on voit le pourcentage du niveau en haut de l'écran à droite. Je sais pas si vous voyez. Oh, ah, maintenant j'ai peur de tomber dans ce truc. Hop, ah bah j'irai pas chercher le haricot, ça c'est sûr. Ah ouais, donc en fait vous voyez la technique c'est de s'attaquer tout de suite aux gros ennemis pour avoir toute notre vie. Et puis après tuer tous ces petits machins qui restent. Je vais pas mourir comme ça quand même. Arrêtez, c'est pas bien ça. Voilà, 100%. Allons vers la lumière. Alléluia. Victory. Next. Est-ce que je peux vous montrer un dialogue? Non. Ah oui, voilà. Donc, non, je ne suis pas bilingue, donc je comprends un peu ce qui se passe, mais voilà. Ah bah j'ai 800 pièces, c'est très bien.
Ah, on doit aller à la maison. Mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que ce vieux cerf nous dit? Oui, un cerf parce qu'il a des... intéressant. I don't have time for this. Intéressant. Ah, qu'est-ce que nous allons aller faire là-bas? Et voilà. Donc là, nous sommes prêts pour faire un prochain combat. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Reaper. À très bientôt. Bye tout le monde.